Nang's Reborn. Wow! Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue sur Soubonne. Dites-moi, les frères et sœurs, croyez-vous à l'existence du paradis? Est-ce que ça existe vraiment? En tout cas, si vous n'y croyez pas, ce que nous allons voir dans cette vidéo va vraiment vous étonner. Parce que il y a des choses sur la terre ici qui nous montrent que le paradis existe. Vraiment, ça peut être vrai. Mais regardez ça! Est-ce que vous voyez ça? Avez-vous déjà vu ça avant? Mais qu'est-ce que c'est? Nous allons voir les endroits les plus beaux habités par l'homme. C'est du hors du commun. Où est ce gars? Il profite de la vie. Regardez son environnement. Regardez ça. Et ici, on est quelque part. Nous commençons par le commencement. Vous voyez ça? Vous voyez cet endroit là? C'est un endroit vraiment très magnifique. Hein? Vraiment très 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 beau. Les gens sont là, ils vont visiter. On nous dit c'est Fifi Island, Thaïlande. Vous voyez ça? C'est même écrit ici sous vos yeux. Est-ce que vous voyez ça? Bon, je dis pour vous. Regardez. Vous voyez ça? Les fleurs, on vous montre comment c'est beau, comment c'est extraordinaire, comment c'est magnifique. Les gens là-bas vivent la vie de Louga, la belle vie. Hein? Regardez. Que j'ai vu ça. Je me suis dit, waouh. Waouh, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très, 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 très beau. Mais quand j'ai vu le riche village des Chinois, j'ai été surpris. Et même choqué. Regardez. On dit que ça, c'est un village chinois. Regardez. Rich village in China. Will you live there? On dit c'est un riche village de Chine. Souhaiterez-vous vivre là? Mais à quoi ça ressemble? Regardez. Un village. Regardez le village entier. Regardez. C'est un village des riches. Il n'y a que des riches qui vivent ici, là. Ici, là, là où ce que vous voyez là. Ça existe. Waouh, vous voyez ça. C'est vraiment démesuré. Hein? Et toutes les maisons là-bas s'y ressemblent. C'est un truc hors du commun. Incroyable. Mais ouais. Souhaitez-vous y habiter? Franchement, non. Moi, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. J'aime les endroits beaucoup plus spacieux. Les endroits où il y a de l'espace. On peut être à l'aise. Il y a la nature. Il y a les oiseaux qui volent. Mais là-bas, il n'y a même pas d'oiseaux qui volent. Ouais, pas les oiseaux. Oh, ça m'énerve. Hein. Mais Dieu est fort. Dieu est grand. Dieu a tout fait pour nous. Il a tout créé pour nous. C'est là qu'on voit que tout ce qui est fait par Dieu est extraordinaire. Regardez ça. Vous voyez ça? Vous voyez la nature derrière? C'est de ça qu'il s'agit. Les gens vivent tranquillement avec leurs enfants. Et on dit ça à Switzerland. Waouh. Vous voyez ça? C'est très beau, hein. Il y a les animaux, regardez la montagne. Il y a de l'eau qui en descend. Ça, c'est tellement extraordinaire que hein, je suis dépassé. Je suis même dépassé parce que je vois. C'est un truc hors du commun. C'est très beau. Vraiment magnifique. Vraiment très magnifique. Dieu nous a tout donné.
Dieu nous a tout donné, nous les humains. Et c'est pas ce que Dieu ne nous a pas donné. Alors là. Là-bas, par exemple, je pourrais y vivre. Ouais. Là-bas, par exemple, c'est beau. Il y a beaucoup de belles choses. Il y a les montagnes. Il y a de l'eau. Les oiseaux, la nature. Comme ici. Vous voyez ici, là. Vous voyez ça? On dit Dreamhouse in Schwarzenland. Voici quelqu'un qui est venu construire sa maison de rêve à Switzerland. Je ne sais pas où c'est. Qu'est-ce que c'est ce truc? Donc il est là tranquillement. Il vit tranquillement. Dans la maison de ses rêves. Les gens aimeraient vraiment bien vivre leurs rêves là-bas. Ça, c'est presque le paradis. Regardez, il y a la montagne derrière. Il y a la montagne derrière, comme ça, là. Ah. Ah. Ouais. Ti, 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 ti. Regardez. J'ai vu ça, je me suis dit, mais ça, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est? Tous les gens vivent bien dans le pays, là. Tous les gens sont bien dans le pays. Et puis, nous, on souffre. Non, je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire ça, mes frères et sœurs. Je me suis dit, mais ah Dieu, pourquoi m'as-tu jeté ici là-même? Pourquoi m'as-tu jeté ici là? Ouais, mais j'étais là-bas. Mais pourquoi tu m'as fait naître ici? Je suis fâché. Je suis fâché. Malheureusement que le paradis est là. Ouais, le paradis est là. Au paradis, on aura certainement tout. Mais là encore, il faut lutter pour y être. Il faut être un homme bon et pieux et sage, intègre et droit et intelligent. Voilà la crainte de Dieu. C'est pas beaucoup de choses. Beaucoup de personnes vont rater l'endroit là quand même, mais c'est pas bon. Mais regardez ça. Vous voyez ça? Les gens sont ici, là. Regardez la montagne. Comment les gens ont réussi à faire ça? On dit c'est Zhang Yanjing. C'est en chinois, moi, je ne sais pas dire ça. On dit c'est en China. Zhang Changqing. Natural Formid Bride. Vous pouvez nous dire ce que c'est fait en anglais. Pas très faible. Hein? Regardez comment c'est dans cet endroit hors du commun. Et les gens sont en train de se balader juste en haut ici. Les gens n'ont pas peur de la mort, on dirait. Les Chinois, ils n'ont pas peur de la mort, hein, ceux-là. Ah. Ils sont allés construire quoi là-bas? Ça, c'est quoi? Et vous pouvez venir construire ici là aussi. Que cherchez-vous à faire? C'est un endroit quand même dangereux. Moi, je trouve que c'est un endroit dangereux quand même. À tout moment, ça peut s'effondrer. Et s'il y a quelqu'un là, vous allez dire quoi à Dieu? Vous allez dire quoi à Dieu? Vous allez dire quoi à Dieu? Mais regardez. Waouh. Frère et soeur. C'est spectaculaire. Comme ici. Vous voyez ça? Vous voyez cet endroit-là? Vous voyez ça? La jeune fille vient. Elle est dans un endroit très très génial. Regardez les gratte-ciel. Regardez comment c'est. Ça, c'est un lieu paradisiaque. Ça, c'est le paradis, hein? Ça, c'est grave, le paradis. Bon, c'est comme le paradis. Parce que même si c'est beau comme ça, le bien et le mal existent là-bas, malheureusement. Et oui, le bien et le mal. Tant que le bien et le mal s'éteignent, nous sommes dans paix, nous sommes dans problème. Vous voyez ça? C'est-à-dire que même si c'était, il y a toutes ces belles choses, nous sommes vraiment pas en sécurité à cause de la présence du diable. Donc on aura ça juste en apparence, mais au fond, hein, nous devons tout de même être très prudent. Mes frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu a créé de belles choses sur cette terre. Mais on ne peut pas tellement se réjouir de ça à cause de Satan qui est ici. Ce gars-là même, quel est le problème? Pourquoi tu n'es pas allé dans un autre endroit et tu es venu ici même? C'est qui es-tu? Satan, qui es-tu même? Ça m'énerve! Ça m'énerve! Mais vous-même, regardez! Comment ne pouvons-nous pas profiter de ça?
Regardez ce qu'on voit. Une très belle vue pour le conducteur de véhicule. Regardez, regardez. On dit c'est Redfield View. Bon, moi je comprends pas ça. Regardez ça. Regardez la montagne. Vous voyez la vue? Ouais, comment c'est beau. Avez-vous déjà vu ça dans la vie réelle? Quelle serait votre réaction si vous voyez ça? Alors là, Dieu a vraiment fait de belles choses. C'est vraiment dommage qu'il y ait le mal sur cette terre. C'est vraiment dommage que le diable soit ici sur la terre pour nous déranger. C'est-à-dire que même si tu es là-bas, le diable va aller te chercher là-bas dans ta paix. Pour essayer de te mettre un bâton dans le roue là-bas, pour essayer de combattre ta paix. Dieu est vivant. Mais profitons simplement. Regardons juste. Vous voyez ces gens. Ils sont venus en profiter. On voit les rayons du soleil sortir de là comme ça. J'imagine le paradis. Et ils sont sous l'eau. Ils sont sous l'eau. Regardez. Waouh. On dit c'est Meghalaya, India. C'est en Inde. Ah. Waouh. Est-ce que vous serez prêt à visiter cet endroit? Regardez, l'eau est tellement propre. Extrêmement propre que vous n'avez pas l'impression que c'est de l'eau qui est là. Vous n'avez même pas l'impression que c'est de l'eau. C'est de l'eau qui est là. Regardez le monsieur quand il est pagaillé là. On n'a même pas l'impression qu'il est en train de pagailler même. C'est comme s'il jouait. C'est comme s'il jouait avec son poids. Ah! Ouais, regarde la lumière. Les gens vivent bien quand même. Bon. Ou pas. Qui sait? On dit qu'il vit bien celui qui vit très bien dans son rêve. Si tu es dans un tel endroit et qu'on te poursuit dans ton sommeil, je comment? Tu vis dans un endroit très grand, très luxueux. Mais quand tu t'endors, on te poursuit. Dans ton rêve, on te poursuit. On vit dans un endroit très beau. Hein. Et puis vivre dans un endroit très. Bon. Comment on vous le dit même? Genre. Entre vivre dans un endroit très beau de la vie réelle et puis vivre. Comment je vous dis ça? Bon, je réponds. Si toi, tu vis par exemple dans un endroit très beau et puis dans ton rêve, on te poursuit. Ah, c'est bien. Mais celui qui vit dans un endroit pas trop ça et puis dans son rêve, il se retrouve dans un endroit paradisiaque. Qu'est-ce que direz-vous entre les deux cas? C'est ce que vous voulez dire, c'est ce que vous voulez dire même. Le fossé est trop dur. Vous avez entendu ça? C'est du. Oh, dit quand même. Ah. Et ce que ça veut voir, ça, c'est beau. C'est tout simplement beau. Le monsieur, il est dans un endroit pareil. On dit Lensois Maranhenses National Park. Moi, je ne sais pas ce que c'est où. Mais vous pouvez voir ça. Le gars, il voit tout simplement une étendue de là. Il se dit, waouh, c'est beau. Pourquoi ne pas y plonger? Sans même savoir s'il y a un requin à l'intérieur qui l'attend. Parce que c'est ça aussi. Tu vois un endroit très beau avec l'eau. L'eau est là comme ça. C'est beau, ça petit ça, mais dès que tu es plongé, voici un requin qui a posé sa gueule. Aïe, 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 aïe. Sérieux? Oh, mais si c'est pas un requin, c'est un crocodile qui a fait. C'est lui qui t'attend dans l'eau là-bas. Tu as ton repas de midi. Jésus, c'est quoi? Vous voyez? Et pourquoi il faut quand même se méfier de tel endroit, hein? Un endroit pareil. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Waouh! Le monsieur, il arrive et il se prépare à plonger dans l'eau. Oh, il y a quelqu'un qui est là, mon ami. Oh, adieu. Adios. Vous voyez ça? Heureusement qu'il n'y a pas de récord aujourd'hui. Ah là là, mais prépare-toi la prochaine fois. Parce que ça risque d'être chaud. Vous voyez ça? Il arrive. Et il plonge comme ça. Peut-être que c'est un habitué du coin. Peut-être qu'il a remarqué que les requins sont à la vacances. C'est pourquoi il veut plonger. Sinon, moi, c'est pas prêt. C'est pas prêt. Tant qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans l'eau, il ne plonge pas. Hein? Vous voyez ça?
Oui, regardez. Oh, le chaud a plongé. Vraiment, c'est très beau. Il y a la glace à gauche et à droite. Il n'y a pratiquement pas de sable autour. Tout ce que vous voyez en blanc là, c'est la glace, la neige, je ne sais pas quoi encore. Ah, dites-moi, lequel de ces endroits vous a le plus marqué, vous a le plus plu et où vous aimeriez vraiment vivre? Parce que vraiment, moi, je ne sais pas quoi choisir. Tout était beau. Tout ce que Dieu a fait vraiment est magnifique. Et quand je pense vraiment que, quand je pense, et puis je pense aux gens qui meurent, je me dis que vraiment, vaut mieux vivre bien sur la terre, puis vivre bien après la mort quand même. Ouais. Je pense que Dieu nous a donné un indicateur. Il nous a dit comment faire pour vivre bien aussi après la mort. On nous dit qu'il faut être bien, comme je vous l'ai dit. Il faut juste être une bonne personne, avoir un bon cœur. Il faut laisser le mal, il faut choisir le bien. Oui. Si vous faites ça, ça vous donne quand même un pas vers un bon endroit. Maintenant, quand tu t'endors là, qu'est-ce que tu vois dans ton sommeil? Est-ce que tu te retrouves dans un bon endroit, à l'aise, très bien? Tout ceci, ça compte. Parce que ceux qui meurent là, eux, ils se voient après comme dans un rêve. C'est-à-dire, c'était ceux qui sont morts, ils pensent qu'ils sont dans un rêve. Ils pensent que c'est un rêve. La personne est morte. Hein. Et puis la personne dit que, oh, c'est juste un rêve. Mais dans ce rêve-là, la personne voit son corps. Son corps est là. Et la personne dit à son corps, mais ah, il y a quoi? Il y a quoi? Il est couché. Lève-toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut te lever. Ah. Je ne sais pas. Ah. Là. Soit ce sont les anges qui viennent vous choisir, qui vont vous prendre pour partir, ou ce sont les démons qui viennent. Ah. Ça, c'est la réalité. Je dis que même si ces endroits sont très jolis, vous ne pouvez pas. Même si les endroits sont très jolis et que vous n'avez pas accès à cela parce que vous n'avez peut-être pas les moyens, vraiment, je pense que vous devez juste prier, avoir un bon chemin, marcher bien sur la terre. C'est-à-dire que quand vous allez mourir là, Dieu aura pitié de vous avoir un paradis. Là-bas, là, on lui dit que les choses plus jolies que ça. Bah, on n'a pas les moyens, non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a prié le Seigneur. On a dit, Seigneur, pardon, pitié de moi. Quand il est mort, il faut mourir là-bas. Pardon, faut avoir pitié de moi. C'est la terre, j'ai trop souffert. Pardon. Ou bien, ah, on dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Au moins, voilà. Ce que tu t'as donné, c'est ce que tu prends. C'est ça que pour toi, tu fonces avec. Après ta mort, si tu es bien, tu vas au paradis. Là-bas, là, on a beaucoup de belles choses. Des choses encore plus belles. Qu'est-ce qu'on nous dit même souvent? On dit que les choses sont au paradis, là, sont plus jolies que les choses qui sont sur la terre. C'est-à-dire que même si toutes ces choses que nous venons de voir sont vraiment jolies, et qu'on a vu les gens qui vivent, je pense que ce qu'au ciel est vraiment plus extraordinaire que ça. Ah, donc là-bas, c'est mieux. C'est là-bas qu'est bon! Donc, rendez-vous au ciel. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à activer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, dans la description se trouvent toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire des dons via YouTube Super Things. Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sur notre balle. Soyez prêts.